Gisele Umba, poli na na ya diama. Gisele Umba, na na trouble yo mon amour. Merci. Gisele Umba. Oui, voilà, vous êtes bien sûr Diamant Noir TV avec votre servante Gisele Umba Diamant Noir. Bien sûr, aujourd'hui dans mon émission Tout à débattre, je suis avec deux personnes. Je pense que... bien hormis Africa numéro 1 pour discuter, mais je voulais aussi savoir un truc. Avant que le concert d'héritier et de Fali, il y a une mobilisation pour les Kassai. Il y a qui a organisé, je crois, c'est Pacheli. Il n'y avait même pas 30 personnes. Pour cette mobilisation-là, parce que c'est aussi des causes pour que les gens se mettent d'accord, même 10 000, 20 000 personnes, pour se dire qu'on tue les gens au Kassai. Il n'y avait même pas 50 personnes pour cette marche-là. Mais quand il y a la musique, il y a 10 000 personnes qui se mobilisent dans toute l'Europe pour interdire la musique. Si je suis d'accord, aujourd'hui, le combat a marqué un coup. Parce qu'à travers la musique, on a parlé, le concert du 15 juillet, on a parlé sur toutes les chaînes. Même sur CNN. Sur toutes les chaînes. Mais à un moment donné, vous pouvez vous satisfaire, Babin, de se dire que non, on a gagné une bataille. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec nos artistes? Il faut organiser des concerts pour passer les messages. Non. Parce que si aujourd'hui vous interdisez non. la musique, non. parce que on vous connaissez va, la force, va, je veux parce que vous connaissez la non. force de la musique. Non, écoutez, la force de la musique, on ne peut pas entrer comme ça. Hein. Il y a des victimes dedans, il y a des gens qui étaient tabassés. Déjà, les démarches que Patrick Mboyo fait, c'est déjà bon. D'aller voir, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. D'aller voir les combattants, le peuple congolais, de leur demander leur avis. Après, on verra. Il ne faut pas forcer les choses. Alors Patrick, on ne force pas les choses. Pour toi. Merci, en tout cas, je suis content de voir que le débat est toujours aussi passionné et globalement, tout le monde adhère à cette démarche. Nous allons continuer à travailler. J'ai besoin du soutien de tous les Congolais. Je ne pourrai pas y arriver seul. Fatou. Appeler. Je sais que tu aimes bien Fatou, mais là, c'est Aïssa. Aïssa, je vais passer juste quelques messages, Patrick Mboyo. Merci, le peuple congolais qui m'écoute, bandekonyo sobola nanga toyaki awa pona kosolola te ke musique ezongi te babeng tsaki biso ba eka ba propos na biso. Laisse-moi traduire un peu pour les autres aussi, voilà. Parce que c'est une chaîne francophone. Babeng dit que il était venu ici non pas pour dire que la musique revient demain. Et c'est pour cela j'invite tous les Congolais aujourd'hui de manifester, même Kabila n'est pas venu, Macron il est parti voir les victimes dans les îles, mais le peuple congolais reste mobilisé jusqu'au 18 septembre. Et nous demandons toujours au peuple congolais d'être debout. C'est la fin cette année, la fin des règnes de l'occupation dans notre pays. Je vous dis merci et suivez toujours merci le message. Babin, merci beaucoup. Patrick, bon, merci à toi, Aïssa. On va dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. On va prier. Merci en tout cas d'être venu. Merci à tous. Merci également à Samchi. Merci à Aïssa. Là, moi, je file directement au studio pour finir mon album. Ouais. Et je dis à mes frères combattants, on n'est pas des ennemis, on est des frères. Un jour, on trouvera issue des secours. Merci beaucoup d'être venu. Et premier rang des dialogues prévu en octobre. octobre. Mais je ne suis pas encore d'accord avec la date. Il faut que je voie les amis de Londres, de Belgique. Bon, on va discuter. Ça va se faire. Parce que la date, c'est comme si j'acceptais ici. Attends. Il faut voir le Bokechu en Allemagne. Voilà. La semaine voilà. Actualité, il y a sur passé cadeau. Ça arrive à midi. À demain. Yay. Oh, je suis venue en faire là, c'est ça? C'est pas évident. Ça va? Oh, oui, ça va. Attends, ben ma sombre. Mais, ton outil émission à Bissot, tout le monde va se balancer au balanda, dans le monde entier, Bolanda. Vraiment, émission où ils ont pensé des débats outils comme ça, na Africa numéro 1. Et continue. Bonjour, Sam. Bonjour, Diamant Noir. Bonjour Babin Masson. Bonjour Maman Diamant Noir, Kimberlit. Diamant Mounen. Il y avait rien mystique. Oh, merci Nakomi Kimberlit, mais et les Kindeni ni na débat au bout tout ça là, vous expliquez, vous continuez le peuple congolais bayou. Non, ils ont vraiment débatté, ils ont juste dialogue, tout le monde a dialogué entre frères. Oui. Entre frères parce que Babin il représentait le mouvement de résistants combattants par rapport à tout ce qui se passe dans Mboka et puis ici à la communauté par rapport à l'interdiction et à la musique. Et moi de mon côté dans Ago représente les artistes précisément la musique. Donc dans le cas où Natal Sapé, intérêt Nabisso, quel moyen Toko trouver ici des secours, parce que tout d'abord
n'y a pas un Congolais de premier degré et de second degré. Bisogno Sotosa, tout d'abord, va Congolais. On vient de quelque part. Donc, awa toyaki, nabanzela, toyebi, ba objectif, mais toza na situation o tozo luka entre biso na bango le roi toza bandeko parce que toza relier sika moko bango pe bazai roi robina na biso mais un moment donné un bonjour ba beta mesa non toro continuer beauté parce que chez nous ça ne va pas, il faut ça s'arrête. Alors ça dure le lot 6 ou 7 ans yango tokena solana bababin avec intermédiaire il y a Patrick Mboyo qui est notre ami, notre frère nenge ni to meko solo là to banda quand même ata ko meka to lobité que pas lobité to banda quand même Omeka, malé, malé, mais n'est-ce pas de retrouver entente quoi. Patrick Mboyo, on a fait diamant, on a pissé, on a été vraiment Babé Masombo. Vous êtes d'accord, non, maman? Merci, maman. Bon, on a été invité. Il y a Africa numéro 1, Lelo. On a écouté Nanan de Konabiso, Patrick Mboyo. On a écouté l'artiste président et académie Sam Tsusi, il était là. To Sololi, ma solo, il y a. Donc. Samchintu Azalaki, to solo ma solo ou il est kakana diaspora. Bon bango baye na proposition. Patrick Mboyo, ça fait des années. Depuis l'UNESCO il y a 5 ans. Il m'avait demandé tout ça. Je lui avais dit qu'un jour il y a ma solo à bongo, mais par contre, na ko solo lango boyete, ça ko contacter ba ninga nanga mususu. Et puis tant que tu blogues la musique ou tu benga ba manifestation, ba tu ba outra na Londres, ba outra na ba Allemagne, ba Belgique, il faut aller voir aussi les autres compatriotes, la proposition ya ko dialoguer, to ye ba nini et motivation nini ba musicien ba zara ko envers ba politiciens occupation. Po bala na bango. Et puis différence nini au biso tozana yango pona ni bandeko na biso na ba artiste ba koki ko ba kimara biso il faut koyé ba kota la attention na nyoso ya koyé ba soki to convaincre bango ba ya tout na sije na biso poto kende ko longola occupation ensemble nyoso ane dikaka par dialogue mais école ka jamais na bitumba ndenge oyé par la force que non na ndenge na beta musique biso pe ba combattant to koloba non robeta te bon moko fois bi maganya bon bino mo boyé bi muto ganya ka za ka peuple pour kombeza ya bato ya peuple ya ngwana Patrick Mboyo abimi sous forme à kojo quoi na bi te so ka kolia pour kojo na vraiment vraiment à ça il comme bien au biso tozi à Patrick Mboyo vraiment bien au biso la parce que bino baba mi boza pena ba mikolo ya media o izo sala ke bosa msa na bino bien merci Patrick Mboyo na likambo sali mais ça me dit pour te comme asuka to linga ka to bandeni bozu mais na suka na ngonyo surtout bo analyser nini bolobi na suka nini non analyse zara ke non il y a déjà premier contact c'est ce qui est le plus important il y a pas encore du concret mais il y a déjà premier contact donc tout coutinga na babin toujours c'est cas donc c'est déjà on fait on tout nous l'accent en batuke tout dans ambition sur la congolais il y a moyen de se parler donc le gars n'engole pas yango il y a pas autre lobby boy tout sur la décision non il y a une, pas aucune décision mais juste tout solo les gars en a famille tout ce que je peux dire tout solo les na kumbwa ba musicien surtout au bazar tout solo les gars en famille moi je suis artiste Babé Anza, résistant combattant, a représenté pe, tous les mouvements, les gens à Londres, Banini. Pour Bamou, on a quand même que non, tout solo le Nabiso. Tout solo le Ngolo Bate, que tout le monde, bon, tout ça la beauté. Tout le monde, tout la décision, mais tout solo le. N'est-ce pas que la famille, n'est-ce pas la sociologie africaine, tout d'abord, la solara na sa anzete. Mon ana po kwaka ba mère ba vandi vous na sans été moto ko pela oyebi makambo yo solo la matin neti bebi solo lo to solo le Nabiso étant que de frère to solo li. Voilà, tu es un bango vraiment tout ça, on a vu ce maram sousou, les lots aux kababi, basolo. Tu vois, il y a amalgame pour battre les bons mounas, ça basolo n'a pas bien comment. Ah, c'est que Babin a détourné, non, il a détourné rien. Alors, ah, moi j'ai toujours dit au peuple congolais, je suis l'ami des musiciens. Je n'ai pas connu ça, mais aujourd'hui. Non, n'aie pas ça, n'a combattu. Je suis un artiste congolais. Et puis, je suis un combattant. Bon, tu vas sur le avant. Tu vas dans le métro, tu vas dans le monde, tout. Mais il y a un peu de réunir sur l'Afrique numéro 1. Il y a une idée. 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 Il y a rien qui va se passer
sans l'intérêt du peuple congolais. Voilà. Attends, sans l'intérêt du peuple congolais. Donc, nous sommes dans la salle, il y aura toujours dans le peuple congolais. En dehors du peuple congolais, je ne peux pas s'engager. Donc, il y a un trahir. Dans le cas de la bise, pour que tu aies un peuple congolais. Donc, tu as la salle pour la bise, un peuple congolais. Bon, je vous remercie, Diamant Noir, Kimberlit. Voilà. Au combat Kimberlit, il y a ici, il y a le Mbam. Diamant Noir, non. Il y a un studio. Non, non. C'est ça, Diamant. C'est ça, Valère. Donc, Valère, Nango, il y a Balarati. Au moins, il y a un Diamant Noir. Le Kumiselino, Diamant Noir, voilà, tout le monde. D'accord. Le Kumiselino, la Boyo. L'esprit, on s'en a pris. Donc, il y a un peu de monde, on a misé. On a un peu de monde, on a un peu de monde. Donc, c'est ça. Vraiment, ça. Bon, vous l'avez dit, on a mis battre. En tout cas, c'est pas la moto, ma pizzani. Vraiment, vous avez toujours branché la Diamant Noir. Bomonika n'était un bibango, Tolinga Bino Mingi. Merci vraiment. Na Patrick Mboyo Mikolo, Azapena pour soutenir Diamant Noir TV et Kendeka Liboso Nengezalara. Te PC Mbote, à très bientôt. Ciao. Des concerts à gauche, à droite. Donc là, ouh, les enfants, baba, nous avons beaucoup de diplômes aujourd'hui. Je fais les sondages parce qu'ils m'appellent souvent dans les fêtes des enfants qui ont eu des bacs. Écoutez, les parents surtout. Ils me disent, Babin, voilà votre travail, votre foyer. Je suis passé à Persa-Beaumont. Il y a une famille de Blaise Capampier qui a fêté deux enfants, ils ont eu le même diplôme, ce sont des jeunes. Donc c'est toi qui dis que les enfants des familles des gens... Donc, non, ils m'invitent, moi je suis pour rien. On ne peut pas le prouver, mais une chose que je peux avouer, en tant qu'enseignant à l'université de ces 3-4 dernières années, j'ai vu de plus en plus de jeunes d'origine congolaise dans mes auditoires, dans mes amphis, là où j'enseigne, et quand je corrige des copies, je vois de plus en plus, tout comme déjà la génération des jeunes africains. Il y en a beaucoup. Mais non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je l'ai bien dit. Mais moi, je dis que je constate simplement cela, ces quatre dernières années, ça va crescendo de plus en plus, mais je ne peux pas dire que c'est lié au phénomène combattant, parce qu'il n'y a aucune étude scientifique qui peut prouver que parce que la musique est bloquée, que les jeunes vont aller voir. Il y a un journal français qui avait écrit ça, DCV, je ne sais pas quoi, DCSV, qui avait écrit à l'époque que depuis que les Congolais ont arrêté la musique, même la galerie Raphaël a fait la statistique. Même en prison, moi j'étais l'année dernière en prison. Ça reste à prouver. Donc là, à l'époque, on était des milliers de personnes en prison. Mais là, aujourd'hui, les Congolais, vous allez le trouver dans le pavillon au moins 12 ou 15 par rapport à avant. Redescendez de votre nuage, descendez vite, ça n'a rien à voir. Vous allez faire doucement. Hein. On a fait un bon travail pour le peuple congolais. Non, vous n'avez pas fait un bon travail pour le peuple congolais parce que vous n'avez pas fini de le faire. Vous êtes en train de faire un bon travail pour le peuple congolais, mais c'est trop facile de tout mettre sur les musiciens. Et non, les musiciens, c'est trop facile. Écoutez, parce qu'une chose que j'aimerais dire, on accuse souvent les musiciens de venir engrosser les jeunes filles de la communauté congolaise pour avoir les papiers. Bon, attends, pardon. Dans la musique congolaise, dans les années 2000, il y a au moins 5 groupes qui venaient faire des concerts à Paris. Il y a le groupe de Papa Wemba, le groupe de Kofi Kartel Atta, le groupe de Weira, le groupe de JB, le groupe de Oise, quoi, et peut-être Tchalamoine. À l'époque, il n'y avait même pas Fally et Ferré. Donc, sur 5 groupes, il y a au moins 20 personnes qui viennent, 25 personnes. Et sur ces 25 personnes, il y a au moins 5 danseuses. Donc, disons qu'il y a au total au moins 20 garçons ou 80 garçons ou 80 mâles qui viennent du Congo vers la France. Et vous allez nous dire que ce sont ces 80 garçons qui viennent en France pour faire des concerts en une année, qui engrossent toutes les jeunes filles que nous voyons dans la communauté congolaise avec des poussettes. C'est complètement absurde. C'est un argument que moi je démolis clairement. Mais écoutez, moi je n'ai pas parlé c'est un argument qu'on a entendu dans le mouvement des combattants. Vous êtes égaré. Vous savez quoi, il nous reste un quart d'heure, on va quand même prendre 2-3 auditeurs histoire de. Parce que là, Guélor, tiens, par exemple. Bonsoir, Guélor. Bonsoir, Guélor, ça va? Oui, ça va et toi? Bah ouais, tranquille, hein? Cool, Andy. Vas-y, dis-moi tout, dis-nous tout, Guélor. Bah ouais, d'abord, premièrement, j'aimerais bien féliciter Baba Massombo par rapport à son combat. Et par rapport à la musique congolaise, ça coule, moi, mais on ne peut pas danser lorsque ça pue sur le voisin. Mais à l'est de la République démocratique du Congo, ça pue.
et à Kinshasa, à Paris, non, non. Mais non, c'est pas ça, Gaylor. Gaylor, il faut laisser la liberté à chacun de choisir s'il a envie de danser ou pas. En fait, c'est ça le truc. C'est que moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a des guerres, ça va pas, et on danse, ça va pas ensemble, ça. Mais en revanche, je suis pas d'accord avec toi parce qu'il faut laisser le choix aux gens. Celui qui danse, c'est son problème et il verra ça à son jugement au dernier. Et celui qui danse pas, c'est aussi son problème et il verra ça lui aussi à son jugement au dernier. Mais il faut laisser le choix et la liberté à chacun de choisir s'il a envie de danser ou pas, s'il a envie de faire de la musique ou pas, s'il a envie de combattre ou pas, s'il a envie d'avoir les cheveux longs ou pas, en fait. C'est ça le truc. Ouais, mais actuellement, ce qui se passe au Congo, on n'a pas le droit de danser, s'il vous plaît. Mais attends, Gaylor, moi j'ai envie de te dire, ce qui se passe dans le monde, on n'a pas le droit de danser. Faut pas, c'est pas que le Congo, il y a non, tout ce qui se passe au Congo. Ouais, mais moi je suis, moi j'ai envie de te, je t'ai posé une question, Gaylor. Mais je t'ai posé une question, tu m'as pas répondu, ouais. Je t'ai posé une question, je te demande, hein. Tu ne fais rien, tu ne vas pas à des anniversaires, tu ne fêtes pas l'anniversaire de tes amis, tu ne danses jamais, tu ne vas jamais en boîte, tu ne fais jamais tout ça. Non mais oui ou non Gaylor, oui ou non? Non. Tu ne vas pas en boîte, tu n'écoutes pas de musique, tu ne vas pas à l'anniversaire, tu ne fais rien de tout ça, tu restes comme ça. Gaylor, bonne soirée. Lay, bonsoir. Lay, bonsoir. Soyons honnêtes, là, Babin, il a raconté honnêtement monde, son histoire, voilà. On parle, on est honnête. On va pas se moquer du monde. Si on se moque du monde, on salue. Lay, bonsoir. Bonsoir Fatou, bonsoir Hélène, calme-toi. Bah non mais j'aime pas qu'on se fout de ma gueule, wesh, l'outil fait pas son anniversaire, il danse pas, il dort en boîte. Babin m'a sombré, bonsoir Monsieur Patrick. Bonsoir mon frère. Patrick Boyo. Déjà je tenais à vous dire que je soutiens votre combat. Mais je trouve que c'est un peu trop violent quoi, par rapport aux musiciens. Parce qu'une fois j'ai vu une vidéo, un jeune, il m'a montré une vidéo, où j'étais en train de frapper. Les combattants, ils étaient en train de se battre entre eux. En fait, ils étaient en train de frapper un Congolais, comme ça, dans la rue, comme ça, ils étaient en train de le frapper, quoi, s'il te plaît. Mais c'est aberrant. C'est un truc de malade. J'ai rien compris, mais un Congolais, il était en train de frapper un Congolais. Soit disant, il était... je sais pas. On m'a montré la vidéo, mais c'était aberrant. Mais je me suis dit... C'était où, Opéra. C'était à quel moment? À quel moment? Moment du concert ou bien avant le concert? Je pense que c'était le jour du concert de Thierry Héritier. Non, le jour du concert d'Héritier, il n'y avait pas de bagarre. Lequel? Non, parce que, écoute... J'ai vu la vidéo comme ça là, c'était aberrant. Non, c'était avant. C'était avant, il y avait... un petit problème avec un monsieur là qui incitait tout le monde, il incitait les combattants, il incitait Papa Etienne Tshisekedi, il a incité tout le monde. Alors le jeune il a dit, il fallait le frapper aussi parce qu'il a incité. Il fallait le frapper quoi. Voilà. Ouais, parce qu'il a manqué de respect aux vieux. Nous, on parle, on dénonce, mais on n'insulte pas de vieux. Dans notre coutume, nous sommes des bantous. Mais écoute, moi, je dénonce. Moi, je ne suis pas d'accord avec la famille Tshisekedi par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Mais je ne l'insulte jamais. Mais lui, le jeune là, l'archevêque Lubobo, si tu veux me dire, il a insulté même le mort, même le vieux qui est mort. Mais écoutez. Moi, je dénonce, je dis, écoutez, tel, c'est pas bon de faire ça. Mais lui, il a dépassé, il a même incité le vieux Guy Gérard qui faisait rien du tout. Le vieux Guy Gérard, il a fait quoi? Rien du tout. Alors, si on le tape, mon gars. Non, mais moi, tu ne trouves pas la violence ici, en fait. Non, c'est pas la violence. Non, mais même ça, ce discours, tu pues la merde pour moi, tu ne le fais pas ici, en fait. Non, c'est pas grave. Non, mais non. Ils étaient en train de se battre dans leur... T'as des enfants, ouais. C'est malade. Rien que je me suis dit, ces gens-là, ils sont des combats. Non, c'est pas ça, parce que... On était entre Congolais, hein. C'est entre Congolais. De toute façon, rien ne justifie la violence. Moi je vis des Ivoiriens, ils ont tapé leur ministre de la Défense en plein Champs-Élysées, j'étais les Gabonais, ils ont frappé la famille Bongo. Mon gars, il ne faut pas dire que les Congolais ne sont méchants, mais non, tout le monde fait, si ça va, ça ne va pas. Mais Kabila tue les Congolais, vous dites pas, c'est pas la violence. Mais bien sûr qu'on se tape,
aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé dans le prison. Calme-toi. C'est pas parce que Kabila il tue les gens là-bas. Tu crois Kabila est vieux aujourd'hui, on le laisse dans un coin, nous sommes cinq, on va le laisser passer. Nous on y est pour rien, Baba, on y est pour rien. Les gens ils sont pour rien, oh. Faut pas mélanger, hein. On ne mélange pas, on parle la vérité. Nous, notre mouvement du combat, on défend la violence qui est au Congo. On ne tue pas, nous. On n'a pas la prison pour mettre les gens des Kabila. C'est pas parce que Fort il fait des trucs chelous que moi je vais aller taper les gens dans la rue. Ça va pas ou quoi? Mais si c'est les gens de Fort. Non, mais moi, si je dois aller taper quelqu'un, je vais aller taper les gens de Fort là-bas. Mais pas ici, dans la rue, n'importe comment. Mais oui, nous, notre terrain, c'est ici, là-bas, on n'a pas la force. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Là, il y a des armes. Toi-même qui a été militaire, toi-même qui a été. On n'a pas de moyens pour aller faire. On n'a pas de moyens pour aller faire la rébellion. L'Occident ne donne pas. La rébellion aussi. Mais écoutez, la rébellion, ça peut commencer même ici. Là, ça fait descendre même. Mais t'as pas ton frère comme ça? Non, je n'ai tapé personne. Et non, ne pas ça. Mais moi, on m'a tapé en Belgique. Et alors, c'est pas nous? Oh, mais, donc ça vous intéresse? Non, mais, moi, non, mais attends, c'est bien, les autres, c'est pas bon. Non, c'est... Oh, mais, non, que ce soit, que ce soit Babin. Tu lances la violence, soit... mais la violence par la violence, toi aussi. Que ce soit sur Babin, que ce soit sur un monsieur un citoyen lambda, que ce soit sur un artiste, la violence était inadmissible. Ton mari l'a envoyé déjà. Vous savez, les politiciens... Il appuie sur un truc là. Mon mari, il a envoyé les gens pour te taper. Quel mari déjà? Ah, tu connais. Mon mari qu'il fallait. Ou héritier, parce que héritier aussi c'est mon mari. Non mais Fanny ou héritier? Héritier aussi c'est mon mari, tout aussi c'est mes maris. Donc, de quel mari tu parles? Qui t'a envoyé qui? Qui t'a envoyé qui? C'est pas le patron de la boîte lui-même qui t'a tapé? Non. C'est qui? Non. C'est les groupes, lui il n'est pas patron. Est-ce qu'il a l'argent? Comment tu peux accuser, faire des accusations comme ça? Mais je l'ai dit parce que. Mais c'est la diffamation en plus. C'est pas la diffamation, c'est entre nous les Congolais, on connaît comment mais on fonctionne. Mais oui, mais t'as aucune preuve. Fatou, non, on a dit qu'on était on connaît, on connaît comment on fonctionne. Oui, tu vois, moi je peux te faire du mal. J'envoie les gens, moi-même je vais calmer. C'est moi qui envoie les gens. Je le fais souvent moi-même. Mais ça, c'est ça que je te reproche. Alors, je dis que c'est lui qui a envoyé les gens. Mais comment tu envoies les gens pour aller faire du mal aux gens? Mais c'est comme ça, quand on fait le mal aux Congolais. Il faut répliquer le mal par le mal. Non, mais moi je valide pas le mal. Moi j'ai vu, je même en pas France. Toi, t'es un homme, t'es un bonhomme, t'es un père de famille, t'as des enfants, t'as 5 enfants, t'es un père de famille, tu dois pas valider la violence comme ça et encourager la violence comme ça. Et aujourd'hui, quand t'es là, justement, et que t'es ouvert, justement, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, aujourd'hui, quand t'es là et que t'es ouvert, justement, à la discussion et que tu viens avec Patrick pour apaiser les tensions, c'est ça qui est noble. C'est ça en fait. Parce qu'on peut faire la révolution sans violence aussi. Autrement. Mais moi je peux encourager les gens discutent entre nous, trouver une solution. Moi je suis d'accord de trouver une solution. Les gens viennent. Mais venez, on parle de ça. Le musicien, ce qui vous intéresse, vous, c'est la bonne musique de la République. Non, nous, ce qui nous intéresse, nous, mais c'est la souffrance du peuple congolais, ça intéresse aucun Africain. Si vous regardez même l'OIA, l'organisation des Africains, ils sont contre le peuple congolais. Papa, t'es malhonnête. Non. Malhonnête de dire que ça ne nous intéresse pas, c'est pas vrai. Non, mais dis pas ça, je peux pas dire ça. Il y a que des personnes qui s'intéressent de notre pays. Mais non, mais Angélique Kidjo et Afa Blondy, le reste. Mais arrête, non, mais Baba, arrête, Baba, tu le reconnais. Et toi-même, tu m'as dit hier que tu écoutais la radio du matin au soir quand tu pouvais. Donc, tu sais très bien qu'on s'intéresse à tout ce qui va partout en Afrique. Et en l'occurrence, RDC. Lorsqu'Angélique Kidjo passe sur les médias internationaux, elle part du Congo. Afa Blondy le fait, Tiken le fait, Youssou N'Dour le fait, ils ne sont pas congolais. Ça fait du bien. Il suffit de parler. Regarde, hier, tu étais là, tu as parlé. Regarde, aujourd'hui, on a parlé, on a discuté. Venu, je pense. Et voilà, on est là ensemble. T'es mon bébé chéri aussi, si tu veux, y a pas de problème. Tu peux même être mon mari, y a pas de problème. Toi et moi, je pense que. Non, mais je veux dire que voilà, toi, on peut aussi faire les choses ensemble dans l'apaisement, dans la paix. On peut aussi faire les choses. Regarde, bon, qu'est-ce que vous voulez que les combattants fassent? Ben, je veux, j'aimerais, je souhaiterais, Patrick, nous tous, on souhaiterait que le combat des combattants continue. Et qu'il aille au bout et que Kabila dégage. Kabila dégage. Oui, d'accord ? Ça, on le veut, ça. On le souhaite de tout, au plus profond de notre cœur. Que Kabila dégage. Mais Kabila, et pas que lui, tous ses potes-là, qui dégagent tous. On vous soutient, Baba, dans votre combat. On vous soutient. Et tant que tu auras besoin, je serai là et on en parlera sans problème. On vous soutient à 200%. Seulement, pardon. Laissez-nous la liberté aussi
hein, de pouvoir aussi nous aérer nos esprits et de pouvoir s'enjailler quand on a envie de s'enjailler et de combattre avec vous quand on a envie de combattre avec vous. Et aujourd'hui, Baba, si tu es là et qu'on a discuté et que tu veux hausser l'ouverture là de cet apaisement et de cette paix pour qu'on puisse continuer ensemble, tous ensemble, on puisse continuer pour que tout s'y dégage. On peut le faire et on peut continuer. On peut laisser aussi chacun faire ce que vous dites. Les musiciens au cœur de la musique, les chanteurs de chanter, les journalistes de journaler et toi de faire ton combat. Je ne refuse pas, madame. Vous êtes bien, vous parlez bien. Mais écoutez, c'est ça qu'on cherche aux artistes congolais, les rejoindre, de venir parler, de parler ce qui se passe dans notre pays. On va discuter, de l'amener à la raison, de soutenir le peuple congolais. C'est là où nous, on a des conflits avec des musiciens. Le jour que les Congolais, les musiciens congolais, ils vont se mettre à la même table, ils disent que voilà, nous devons chasser Kabila dans notre pays ensemble. Ils vont chanter leur musique. On ne les impose pas de citer aucun politicien. On leur dit de faire le nécessaire qui a pris la dictature de notre pays. Ça se discute. Moi, je ne peux pas les appeler. Ce sont des Congolais. Ils voient plus que moi. Mais non, pourquoi tu te minimises? Tu es un grand. Non, ils sont Congolais plus que moi. Ils ont les médias, ils ont tout. Ils peuvent s'organiser plusieurs fois, je l'ai dit. Organisez-vous, venez nous voir. On va parler. Aujourd'hui, c'est Patrick qui est médiateur. Maintenant, ils acceptent nos conditions à nous. Nos conditions à nous. La seule condition, c'est soutenir la souffrance du peuple congolais. Qu'on puisse sortir tous dans la misère. Nous aussi, on souffre ici en Europe. Bien sûr. Oui. Vous croyez que tout le monde gagne l'argent comme vous, Fatou? Non. Tu crois que je gagne de l'argent, moi, ici? Dans les familles congolaises souffrent là, ils envoient presque chaque mois au moins 100 euros, 200 euros pour faire manger leur famille au Congo. C'est des choses qu'on ne voulait pas parler de ça. Parce que le président qui est en place avec son système, ils ont bloqué tout. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de travail au Congo, il n'y a rien du tout qui marche là-bas. Maintenant, nous qui sommes sortis, nous sommes devenus des esclaves de ceux qui sont restés au pays. Vous trouvez ça normal? Dans un pays comme le Congo, qui a la richesse énorme, le pays le plus riche du monde, nous sommes devenus les plus pauvres du monde, mais ça ne va pas. C'est pour cela qu'on dit aux musiciens congolais de venir. S'ils ne veulent pas, on va rester dans la même situation. Appelle-les. Patrick, il est là, il va l'expliquer. On va rester dans la même situation. Mais quand la France était dans l'occupation, il n'y avait pas la musique. Tout le monde était obligé de s'engager pour sortir les Allemands en France. Mais pourquoi ils ne veulent pas? Babin, appelle-les, d'accord? Appelle les artistes. Tu es un grand garçon, tu es un bonhomme. Tu as été militaire, tout. Tu appelles les artistes toi-même, mais faire le combat aux artistes, c'est se tromper de cible. Non. Mais vraiment, nous-mêmes, on sait pourquoi on a fait ça. C'est notre morceau qu'on a récupéré pour attendre la voix du peuple congolais. Nous, on a récupéré la musique congolaise, on a gardé la musique. Chers amis, votre émission se termine. Gisèle Oumba, Napoli Nana Yadiama. Gisèle Oumba, Nana Toublé, mon amour. Merci. Gisèle Oumba, Diamant Noiré.